que le métro est pris. Alors c'est toi qui décides, parce que moi ce que j'avais pensé c'est mettre ta télévision ici, faire une espèce de petit salon ici, Mélanie. Puis mon lit. Et puis ton lit de l'autre côté. Mais je verrai pas la télé. Ah ben non, ça c'est clair. À moins que tu décides de mettre la télévision en face de ton lit. C'est ce que tu préfères? Ouais, puis là, je mets un truc de canapé, puis là... Un canapé, puis tu mets quand même des prises ici. Donc il faudra aussi des prises pour la lampe de chevet, pour la télévision. Et puis ça va être bon, quoi. Ouais. Hein? Donc là, ton lit... Mais mon lit, si je le pose sur le truc, ça sera pas haut, là. Non, non, il passera juste. Il passera juste. Là, t'auras les coussins. Là, tu peux mettre ton bureau. Mais là, si tu mets ton bureau, on a besoin de prises. La prise Internet, plus le courant. Bah, là, ouais, là. Et puis, alors, en face de ton lit, je mettrai la télévision. Mm-hmm. Là, il faudra une prise de courant et une prise d'antenne, quoi. J'invite pas de copine ici, parce que... J'ai pas envie qu'elle se foute de ma gueule, parce que... Parce que c'est trop vieux, et puis... Par rapport à mes copines où elles habitent, ben c'est mieux qu'ici. Enfin, c'est pas encore fini, quoi, mais... On verra après. Hey, je peux avoir un téléphone? Ils étaient à la maison, ils ont tous un téléphone. Ou dans leur chambre? Ouais. Mais bien sûr. T'arrives déjà pas à gérer ton attel. Déjà. Essaye déjà de gérer ton attel. Quand tu géreras ton attel, on pourra discuter téléphone. Ça, on te l'a déjà dit, hein, je crois combien de fois. Gère ton attel et puis après, ce serait déjà pas mal. Quoi? Téléphone, t'oublies le téléphone, mais le reste c'est bon. Conditionnel présent. Sebastiano, en que dirais-je? Le nous, impératif du verbe recueillir. Émilie. Oui. D'accord. Recueillons, pardon, excusez-moi, c'est juste recueillons. Le nous. Nous, passé composé. Luc. Oui. Pluriel, futur antérieur. Noren. Oui. Tu, conditionnel passé. Jennifer. Oui. Toi sur les deux, c'est. Impératif, vous, Sonia. Le « on » pour « passé antérieur ». Ça va? On est accueilli. Et enfin, le dernier. Quel subjonctif passé? Gabriel. Jennifer. Je peux pas être tout le temps à tout faire aussi. Bah oui. Réfléchis. Bah, il t'a 15 ans bientôt. Bah oui, bah voilà. Attends, donner un coup de main, ça n'a jamais tué quelqu'un. Hein? Le pire, c'est que tu me dis à chaque fois, oui, je sais. Alors après, c'est, oui, mais tu comprends. Non. Et ça, ça me gonfle. Tu le sais que ça me gonfle. Tu peux participer à tes frais de téléphone. À tes 340 francs de téléphone qui me sont restés à travers la gorge. Mais ce que n'arrive pas à comprendre avec ta mère, c'est que tu quittes ta copine 10 minutes. 10 minutes. Et puis tu dois la rappeler parce que souvent tu as oublié un truc. 10 minutes? Non, 30 secondes. Je crois que 10 minutes, c'est pas possible. Parce que tu as oublié de dire. Mais chaque fois que tu décroches, le compteur il tourne. Mais non, c'est de 30 secondes, j'ai téléphoné. Ah oui, mais. C'est pas vrai, c'est pas possible. 50 fois 30 secondes.
Tu peux regarder la facture, hein, c'est 350 balles. Et ça, je l'ai pas digéré, Mélanie. Je t'ai demandé, j'ai dit, tu travailles en conséquence à la maison pour payer cette facture, c'est tout. Et je te parle. Oui. Oh, tu vois pas le travail, tu vois pas tes baskets qui traînent n'importe où, ta veste, on sait pas si elle tient toute seule debout, ou y a pas de porte-manteau, y a rien. C'est qu'un détail, mais si tout le monde fait la même chose, t'as déjà pensé à ça? Ton frère, il le fait pas. C'est la seule solution de payer cette facture. Pour que tu comprennes que moi, je vais pas qu'à la banque et puis ça vient du ciel. Mais elle doit faire quoi? Ben, du style débarrasser la table, vider la vaisselle. C'est ce que je fais. Ouais, mais attends, je vais vite aux toilettes. Et on la connaît, celle-là, hein, j'étais jeune avant toi. Non, là, c'est pas vrai, là, je fais des tâches ménagères. Tais-toi. Arrête. Ça fait 15 jours que j'ai dû me bagarrer pour que tu ranges ta chambre. Tais-toi. 15 jours. J'ai dû descendre l'aspirateur, j'ai dû descendre le sac poubelle pour que tu réagisses. C'est vrai ou pas? Oui. Merci. Non, mais attends, oui. Moi, je veux bien, mais quand même, là, c'est un peu trop. Puis maintenant, on est où du décompte? Il reste toujours 340 francs. Bien. Il reste toujours 340 francs. Ouais. Ah oui, alors, à chaque fois, il y aura toujours 340 francs. Ah bah, jusqu'à... Jamais, et puis je vais toujours faire l'étage. Non, mais attends, un minimum, tu peux faire. Mais je fais un minimum. Quoi? Tu dis que je débarrasse pas la table. C'est faux. Tu dis que je lave jamais la vaisselle. C'est faux. T'as fait quoi quand tu t'es levée ce soir? Oh, juste ce soir. Ouais, pour une t'as fait fois. Quoi pour t'as une fait fois. Quoi T'as fait quoi Je suis montée. Ouais. À midi. Et alors? Et à midi, t'as fait quoi? Je suis montée. Je t'ai rappelé? Je t'ai dit quoi? Dis-le. Je sais plus. Bon. Ah, mais je vais vite aux toilettes. C'est toujours la bonne excuse, hein, les toilettes. On est toujours à 340. Pour l'instant, je suis toujours à 340. Dommage. Je laisse pas. Non, je laisse pas tomber. Là, tu m'as mise en colère avec... À quel moment le montant va descendre parce que Quand elle aura vraiment aidé. Oh. Je sais pas, moi, du style ranger ton linge... Hier, j'ai dû ranger la lessive, tu peux lui demander. Oh, non, t'as toujours... pas rangé, t'as toujours... monté. C'est corbeille. Toujours 350 francs. T'as monté la corbeille. J'ai un petit peu de sentiment pour lui, mais... Chut. Non, ça faut pas dire. Y a personne qui sait. Quand on parle de lui, je fais non, ça va, pas lui, ça va ou quoi. Mais en fait, oui, je veux. Oui. Contre-entre à quelle heure? Non, mais je dors chez Snage. Comme ça, j'ai pas de contrôle, quoi. Ça, j'ai pas de contrôle. Mais de toute façon, on repart plus tard que minuit. Hein. Plus tard que minuit, oui. Non, je suis fatiguée. Le matin, on compte te voir pour dîner, bien. Non. Tu comptes rentrer demain soir, quand même. Oui. Et il a une voiture. Ouais. Mais non, il a le truc à 40 km, machin, là. Je dirai ce soir. Je t'explique. Mais c'est... Quoi? Mais c'est juste lui, c'est tout. Julie. Ouais. T'as des secrets pour ta copine? Ok, ça marche. Ciao. T'as des secrets pour ta copine? Je te dirai après. Tu veux dire quoi? Ouais, je vais pas le dire. Tu me caches quelque chose? À toi, non? Non, mais à moi, oui. Mais y'a rien, papa. T'es sûr? Mais oui. Je l'ai contrôlé, c'est il est où ce bistrot? Tu veux venir, hein? Il est où ce bistrot? Il est... Mais y'a un jour, je vais te prendre au moment, je vais venir. Mais tu peux, viens. Hein? Il y en a caché, je vois pas la soif. Mais je veux pas t'avertir avant. Hein. Bah, tu peux venir ce soir si tu veux. Non, mais prends le soir. On va sortir le film. On va se faire soirée film, hein? D'accord? Voilà, tu viendras la prochaine fois. Hein? Tu viendras la prochaine fois. Ouais. Je commande juste un coca là-bas, hein. Je prends pas de l'alcool. Jusqu'à minuit, un coca. Tu sais, je consomme juste un truc à 3 francs, puis voilà. Bonne soirée. Merci, papa. Pas trop tard. Mais non.
Je passe chez elle. Et puis, la prochaine fois, j'irai avec toi. Vécu en Suisse avec un passeport italien et puis arrivé à un certain âge on marque le pas quoi simplement parce qu'on appartient à ce pays à un moment donné quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse malgré qu'on a quand même les racines en Italie on appartient quand même à ce pays quoi. J'aurai la nationalité suisse au fond de moi je serai toujours française ça il n'y a rien qui changera quoi. Ça c'est clair mais bon c'est vrai que ça me touche quand même de changer d'identité quoi. Au fond de moi, je suis italienne. Je suis italienne. Parce que mon passeport, avant, c'était écrit italienne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Toutes les formalités requises par la loi sur le droit de cité vaudois ayant été accomplies, à l'exception de la prestation du serment pour laquelle vous avez été convoqué, nous allons procéder à cette cérémonie à l'appel de votre nom. Vous lèverez la main droite en disant « Je le promets ». Alemani Gilberto. Je le promets. Alain Charles. Je le promets. Eigen Mustafa. Je le promets. Eigen Nilufer. Je le promets. Panese Maro. Je le promets. Panese Christine. Je le promets. Panese Mélanie. Je le promets. Tu m'as vu changer de vêtements. Produit. Il est sur le rachat aussi. Il est là-bas. 40, c'est trop. Dis-le bien fort, vas-y. Non, Mélanie. C'est la mode. Si tu ne suis pas la mode, c'est pas mon problème. Moi, non. Moi, j'ai toujours pas. Putain, mais c'est pas. C'est l'or. Mais c'est bon! Fais voir tes baskets! C'est des plumes, c'est bon! C'est pas la marque, c'est la propreté qui me dérange! C'est bon! Mais une veste, quelque chose? Oui! Quelle veste tu veux mettre? Une veste noire! Alors, recherche ta veste! Je me revois il y a 30 ans en arrière quand mon père m'avait accompagné pour signer aussi un contrat d'apprentissage, ça fait 30 ans, et ça nous rajeunit pas, un petit peu aussi stressé que ma fille, mais je suis déjà content qu'il ait trouvé parce que dans la région, c'est très très difficile de trouver une place d'apprentissage. Parce que c'est comme ça, quoi. Il y a 400 gosses qui sortent et il y a 40 places, quoi.
sais les questions à poser? Tu dois poser des questions? Ouais. T'as envie de savoir quoi? Déjà, comment je suis payée? Ça, c'est important, ça. C'est pas une question à poser tout de suite, ça. D'accord. D'accord? Non? Alors signe d'abord toi, l'apprenti là. Oui, parce que maintenant t'es apprenti. On a eu 39 candidatures écrites et puis une dizaine par téléphone. Et vous en avez pris combien? Une. Mélanie. On va se recontacter ultérieurement, hein? C'était ma première cuite. Ah, mauvais souvenir. Mais non, en fait, très bon. En fait, il y avait le concert de Desk, un groupe. Et puis, bah, c'est à partir de là que j'ai commencé à boire, en fait. Et... Ah, je buvais bière sur bière, bière sur bière. J'ai acheté Verdon, bonjour. Bonjour. Oui, je vous la passe. Ça me suffit. C'est bon. Ah, oh, merci. Oui. Oui, allô? Oui. C'est assez difficile de passer d'un travail à l'autre. Ici, ça se fait couramment, mais ouais, s'il y a certaines choses délicates, vous pouvez très bien dire. Est-ce que je peux être tranquille pour un petit moment? D'accord. Salut! Faire un effort cette année? Bah ouais. Vous pourrez avoir une prime après. Juste pour la prime. Ouais. Sinon, il n'y a pas de prime, il ne fait pas d'effort. Si, je crois. Mais moins. L'agence est toujours utile. Hein? Ouais, alors paye déjà ce que t'as, tes factures, je t'ai déjà dit. Mmh. C'est comment ça fonctionne. T'as eu ton salaire? Mmh, ouais. Oui, oui ou oui, non? Oui. Un peu? J'ai déjà expliqué comment ça fonctionne. La caisse maladie, c'est pas où tu la payes, la totalité, où tu me donnes les sous. Oui, je les donne. Mais c'est pas normal, ça, que eux, les apprentis, touchent la moitié, puis les... Le patron, il paye la moitié, puis nous, on paye la moitié. Mais arrête-toi, vas-y. Va à la tâche, je te dis. C'est logique. Mais... Vous savez déjà pas gérer un budget. Qu'est-ce que ça me gueule dessus? Est-ce que je dis pour quelque chose? Bah si, parce que c'est... Ouais, mais c'est... Tu me dis tous les mois, oui, je vais te la faire. On verra ça. Bah. Sinon, je te donne la facture et tu la payes. C'est bon. Fini un coup de boule. Comme tous les mois. Ouais, ouais, l'éternelle discussion. C'est bon. L'éternelle, bah oui. Voilà, une discussion par mois, c'est ça. Tu répètes, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Moi aussi, j'ai compris beaucoup de choses. Mais... Arrête. Avec toi, on peut pas discuter. Si, un peu, là. Mais pas, si. Tu te répètes. Mais je me répète tous les mois. Mais c'est bon, c'est bon, maman. Ah bah alors. Si tu payes pas ta facture, bah t'as un rappel, deux rappels. Ça peut aller loin, je veux dire. Et ça, je veux pas que ça arrive. C'est tout. J'ai dit, nous, on reçoit les salaires, c'est les factures. Et après, bah oui, tu fais tes... trois fois la même phrase, hein. Mais oui, mais c'est pour te faire comprendre. Mais tous les mois, ça fait une année. On te l'a expliqué avant que tu touches. Mais la même phrase, c'est bon, une fois je comprends. Tu gagnes. Trois fois, ça m'énerve. Mais tu gagnes 600 balles, t'as déposé 800 presque des fois. Et encore, des fois t'arrives même pas à la fin du mois avec tes 600, et c'est du net. Alors attends, y'a quand même un problème.
Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas toucher un salaire d'adulte? J'ai dit, j'ai 3 ans, j'ai le temps. Ah ouais, non, c'est que t'as le temps d'apprendre à gérer ton argent. Ouais. Parce que... Un jour, tu peux pas, tu gérerais pas ton argent. Hein? De quoi? À cette époque, tu savais pas gérer ton argent alors. C'est quoi? À quel âge? Tu sais pas gérer ton argent. Non, mais j'ai appris maintenant. Ah ouais? Maintenant? T'as 40. Passé de 40 ans, moi j'ai 16. Hein. Ouais, donc j'ai tendance à comprendre. Il y a un début à tout. Hein. Mm-hmm. Ah, mais il a mis des années ton père à comprendre, mais c'est pas mal. Mais alors, pourtant, t'as dû souffrir alors. Pas... Moi j'ai dû souffrir? Ouais. Pourquoi? Mais j'étais avec maman, bah. Oh bah je te remercie, dis donc! T'as vu, c'est 16 ans, ça fait un an que je travaille, t'as vu comme t'es derrière moi? Je l'imagine après. Je suis derrière toi, quoi? Pour l'argent? Mais je m'en fous de ton salaire, je t'ai déjà expliqué 150 fois. Tu payes tes factures après ça. Et c'est normal. Mais oui, mais c'est bon. Mais je te l'apprends gentiment. Gentiment, ça fait déjà une année, gentiment. Combien de temps il a fallu, lui? Hein? Il a fallu... Des années. Il a mis 25 ans à comprendre. Non, mais voilà, alors. J'ai bien fait de venir, quoi, aujourd'hui, je pense. Je me prends bien la tête, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est familial, hein. C'est familial. Merci. On recommencera le mois prochain, de toute façon. Alors, tu me les donnes quand? Je stresse un peu parce que ça fait quelques temps que je n'ai plus mes règles. Donc, je suis légèrement beaucoup stressée. Je n'ai pas été voir de gynécologue après ma première fois, mais j'ose pas le dire à ma mère. Je vais me faire. Je vais même pas imaginer en fait ce qui va m'arriver. Je vais peut-être aller jouer au planning familial pour faire un contrôle. Je panique un peu. C'est vrai que... Bon, je pense pas que je suis enceinte, je crois pas, du moins j'espère pas. Pas maintenant. Il y a quand même 4 mois que j'ai pas mes règles. Je sais pas comment décrire l'adolescence, c'est assez space. J'en suis pas encore sortie, hein. Puis je serai pas encore sortie d'ici un moment. On a plein d'expériences, on fait plein de choses. Puis on fait plein de bêtises surtout. Donc voilà, ça forge le caractère. Je pense que ce sera vers 70 ans que j'envisagerai d'être adulte. Moi, j'ai pas d'éléments qui m'ont marqué. Enfin, si, il y a les disputes avec la famille, les parents surtout. Ça, je pense, c'est pas un truc plaisant de l'adolescence. Ça provient de quoi, ces disputes? De l'argent. Parce que je pense pas. J'économise pas. Je pense justement à m'acheter des choses qui me font plaisir pendant des semaines plutôt qu'économiser puis des choses qui vont me faire plaisir dans 30 ans quoi. Je me dis quand je vais mourir ils vont pas me lancer l'argent dans la tombe donc je profite maintenant. Voilà. Et ta mère elle voit pas ça comme ça? Non, mais elle est très économe hein. Elle est basée que sur l'argent. Elle achète jamais des choses pour se faire plaisir à elle et non à sans avoir des arrière-pensées, ça pourrait m'être utile plus tard. Enfin voilà, on n'a pas la même mentalité. On n'a que 18 ans, hein, 3, 4, oh, mais ça 5, suffit 6, déjà. 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, il y en a une de trop. C'est bon? Bonne bougie. Mon premier gâteau, c'était à 25 ans. 25 ans, c'est moi qui te l'ai offert. Ouais. Tu te souviens encore? Ben moi, ça me fait drôle du fait que ben, elle a 18 ans et puis il n'y a plus d'interdit. On en a discuté il n'y a pas longtemps avec elle. Et je lui ai dit, parce que ça fait 4 ans qu'il y a des litiges entre elle et moi. Et puis... sur des tas de raisons et sur des petits trucs de rien du tout, quoi. Ma fille, avec son caractère, ça fait 4 ans qu'elle est majeure, donc c'est clair que là, c'est assez difficile. Elle a toujours été indépendante. Voilà, quoi. Ça fait quand même quelque chose, quoi. Ça fait drôle, quoi. Puis ça me vieillit aussi, à quelque part.
C'est vrai que ça... C'est surtout ça aussi. Moi, je voulais pas avoir 18 ans. Je voulais rester mineure pour faire ce que je veux. Majeure, ça peut faire que des problèmes, je trouve. Après, ça passe trop vite. C'est-à-dire? Après, à ce qui paraît, les années passent super vite. T'as tout juste 18 ans et t'as déjà peur de vieillir, c'est ça? Ouais, parce que pour moi, j'ai encore 14 ans. J'ai encore 8 ans dans la tête, on va dire. J'ai pas encore grandi mentalement. Mais qu'est-ce qu'il te faudrait pour grandir mentalement? Je sais pas. Aucune idée. Tu te vois comment aujourd'hui? Une jeune clubbeuse qui profite à faire la fête et puis voilà, qui profite de sa vie. C'est ça. Je suis pas du genre à me faire des interdits justement, donc je profite. Il y a autre chose d'important dans la vie pour toi? Se faire plaisir. Je pense pas à l'argent, je pense pas à l'avenir. Il y a quoi que ce soit, je pense à me faire plaisir sur le moment et puis voilà. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle n'ait pas 18 ans, mais qu'elle ait 30 ans puis qu'elle ait deux gosses, vous voyez, je veux dire. Puis que maintenant, elle comprenne. C'est ça, simplement. Mais elle ne se rend pas compte. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle en prenne plein la figure à un moment donné, puis qu'elle dise, comme je disais tout à l'heure, ah ouais, vous aviez raison. Mais on doit encore un petit peu attendre, quoi. Voilà. Comme tout le monde, hein, chacun fait son expérience de toute façon. Bon, ce qu'elle a vécu depuis l'âge de 14 ans, c'est comme si toi, t'as vécu ça pendant 15 ans. Elle a tout fait les interdits, attends. Elle a fait tous les interdits, Christine. Elle a tout fait, hein. Tu vois, je veux dire. Elle nous a tous fait. Alors, est-ce qu'à un moment donné, elle dit, bah maintenant, j'ai tout fait, bah c'est bon. C'est quand vous voyez votre fille à 16 ans et demi rentrer à 5h30 du matin et puis, ouais, on sait pas où elle est, elle ne répond pas, on a-t-elle. C'est pas évident, quoi. C'est vrai que ça fait peur, quelque part. Puis il y a des nuits où elle téléphone pas, où nous, on doit faire 4 ou 5 téléphones pour savoir enfin qu'elle dort chez un tel ou qu'elle dort chez sa copine, vous voyez, je veux dire. Elle se rend pas compte qu'on a besoin d'informations par rapport à ça. Si elle nous dit, écoute, je suis là, nous, on est soulagés. Est-ce que c'est le fait de ne plus avoir d'interdiction, elle va peut-être s'assagir? On aimerait bien. Je ne demande pas trop quand même. Enfin, je crois que cette situation, qu'on vit, on n'est pas les seuls. Je pense que c'est, en tout cas au niveau des filles, hein, le garçon n'a pas de soucis. Comme je dis toujours, le garçon, il faut lui mettre des pieds au cul pour qu'il sorte. Et puis la fille, il faut l'attacher au radiateur, donc, pour pas qu'elle sorte. Donc c'est un petit peu ça, c'est ça. Et je pense que je ne suis pas tout seul dans ce cas, quoi. Bon anniversaire, bonne année. Bon anniversaire, bonne année. Merci. Bon anniversaire. C'est bon. Et ça. Ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est qu'elle est venue. Elle m'a dit la première fois, j'étais maman et puis c'est vrai que ça faisait trop longtemps, quoi. Parce que c'était toujours, ouais, mais toi t'es vieille, ouais, mais toi t'es ringard. Et puis ça blesse au bout d'un moment, quoi. Et puis aujourd'hui elle est venue et puis elle m'a dit ça, quoi. Mais bon, malgré ça, j'adore ma fille, quoi. C'est... Malgré tous les petits à côté, voilà. Avec ma maman, je lui parle tout le temps de mes problèmes, ou bien elle le devine, mais on se parle beaucoup.
maintenant avec ma mère, on parle plus trop, quoi. On a plus trop le temps. Ma seule peur, c'est l'ennui. C'est tout. Enfin, mon plus grand rêve, c'était d'être danseuse. Bon, quand je sors le week-end en boîte, je réalise un peu mon rêve, mais à Yverdon, je pense pas qu'on arrive à vivre en ayant un rêve tel que Hollywood ou je ne sais quoi. Faut pas se voler la face, hein, on habite en Suisse. Plus rapidement je peux me tirer de cette ville, plus vite je le ferai. Donc on verra où, mais pas à Yverdon. Bon, c'est une ville vraiment... c'est top modèle, cette ville, donc... je pense pas qu'on peut vivre son adolescence, enfin, sa jeunesse ici et construire une vie ici, c'est impossible. Parce que les gens ici, enfin, sont tous montés dessus, sont tous passés l'un sur l'autre, on connaît les relations de tout le monde. J'ai pas envie que ma fille grandisse dans un endroit où tout le monde sait ce que sa mère a fait avant. Donc voilà.